ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله ورمسي الله سبحانه وتعالى qui nous permettent de se réunir ainsi dans ce type d'assises qui ont une valeur énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des anges spécifiques qui cherchent ce genre d'assises. Et on est évoqué auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès des anges rapprochés et nobles, du fait qu'on est assis comme ça pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et encore mieux, dans une assise de science. Il est même dit que les anges regardent les assises de science sur terre comme nous on regarde les étoiles les plus brillantes dans le ciel. Il faut savoir aussi que la science religieuse est une des plus nobles chose à acquérir. Allah tabaraka wa ta'ala a loué la science, a loué les savants, les a élogés, a montré leur valeur et leur vertu. Il les a pris comme témoins sur son unicité. Il a fait que le savant n'a pas la même valeur que celui qui ne connaît pas. Et Allah tabaraka wa ta'ala aussi a clairement décrété que les savants de sa religion, ce sont ceux qui ont réellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte qui est une crainte avec science. Il y a une différence entre le khawf et le khashia. Le khawf, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le khashia, c'est une crainte basée sur la science. C'est pour ça qu'il n'y a que les savants qui ont cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala réelle. Et d'autres versets et hadiths qui parlent de la valeur des savants et de la science, dont celui de Muawiya où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion ». Celui qui prend emprunte un chemin pour acquérir la science, Allah lui facilite un chemin pour l'accès au paradis. La différence entre un savant et un dévot est comme la différence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre moi et le moindre d'entre vous. Les fourmis dans leur trou, les poissons dans la mer, invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui sort enseigner le bien aux gens. Et d'autres hadiths et d'autres vertus dans la science religieuse. Donc, cette science-là, si on a compris que c'est la chose la plus importante à acquérir dans ce monde, car elle va nous permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qui lui plaît. Comme on va le voir ici dans certaines explications de hadith, ce n'est pas toute personne qui a l'intention d'atteindre le bien qui va l'atteindre. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, combien de personnes veulent atteindre le bien mais ils ne l'atteignent pas. Donc les bonnes intentions seules ne suffisent pas. Il faut aussi emprunter les bonnes manières et les bonnes règles qui sont liées à cette bonne intention. C'est pour cela que l'apprentissage de la science, il demande un effort, il demande du sérieux, il demande avant tout une sincérité, qu'on cherche par cette science-là le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre. Et il demande une certaine politesse avec ses assises, car ce sont des assises vertueuses, c'est une adoration. Bien que, alhamdulillah, on est tous des frères, mais la valeur de l'assise doit nous pousser à avoir une certaine politesse dans l'assise. Donc, on s'assoit pas n'importe comment, on ne coupe pas la parole, on rentre pas n'importe comment, on se lève pas n'importe comment, on demande la parole. Tout ça, c'est lié aux règles bienséances qui sont liées à ce type d'assise qui sont aimées auprès d'Allah. On demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'acquérir la science avec sincérité et de mettre en pratique, d'œuvrer avec cette science. Car une science avec laquelle on n'œuvre pas, elle sera un témoin contre nous le jour du jugement dernier. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit « La science, celle qui peut le cœur,
et qui pousse aux actes, alors que la science de l'hypocrite, c'est celle qui est sur la langue. Donc, nous avons choisi de traiter un sujet qui est essentiel, qui fait partie intégrante de la religion, qui est un des objectifs pour lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم, c'est lui qui a envoyé chez les illettrés un messager parmi eux, qui leur récite ses versets ou ses signes, et qui les purifie. Donc, la purification de la personne, de l'âme, éduquer son âme bestiale, c'est un des objectifs pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et la purification, elle peut être comprise de deux manières. La purification rituelle et la purification qui est liée à l'éducation et au cheminement que le serviteur prend dans sa religion, dans sa vie. La purification rituelle, elle s'étudie dans le fiqh. Comment on se purifie, comment on fait ses besoins, les règles de la saine nature, comment on fait ses ablutions, comment les grandes ablutions, quelles sont les impuretés. Ça, ce n'est pas le sujet que nous allons traiter dans ces cours. Nous allons parler à travers des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la purification de l'âme. Et comme dans tout domaine scientifique et religieux, il y a une manière correcte d'emprunter ce chemin. Et il y a des manières innovées et incorrectes. D'ailleurs, beaucoup de gens et beaucoup de groupes et beaucoup de sectes se sont égarés en voulant emprunter des voies autres que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour, soi-disant, en espérant, parfois même ils sont sincères peut-être, mais ils se trompent de chemin, purifier leurs âmes. Certains, ils ont voulu ressembler aux prêtres. Ils se sont interdits des choses que même Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis. Certains, ils ont voulu ressembler aux bouddhistes en cherchant la difficulté et le châtiment de leur personne dans des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas légiféré. Certains ont choisi la voie de certains philosophes grecs. Jusqu'à aujourd'hui, dans le monde actuel, certains ont choisi la voie de Freud et des psychologues et des psychiatres en croyant que c'est comme ça qu'on éduque nos âmes et qu'on peut comprendre l'âme humaine et l'éduquer, la diriger. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tous les éléments et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé pour cet objectif nous a montré d'une manière simple quelle est la manière et quels sont les chemins et quels sont les actes légiférés pour purifier son âme et pour s'éduquer. Donc à partir de là, c'est pour cela que l'on a choisi un livre de hadith pour traiter ce sujet. Et non pas un livre quelconque qui pourrait traiter ce sujet, qui va citer des versets des hadiths. Mais nous on veut, bi'inillah, par cette méthodologie, ancrer en nous-mêmes et dans les élèves cette méthodologie saine. Que la base dans l'islam, tout vient des textes, du Coran et de la Sunna. Il n'y a pas une science qui est traitée en islam sans qu'elle tire ses sources des textes authentiques, du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Puis, de la compréhension des pieux prédécesseurs, dans la manière dont ils l'ont compris, l'ont pratiqué et expliqué. Donc, comme pour le fiqh, elle peut être expliquée de deux manières. Par un livre de jurisprudence qui va faire chapitre par chapitre, ou bien en prenant les hadiths de jurisprudence et en les expliquant. De même, on a voulu revivifier cette manière. Que notre compréhension de la religion, elle soit en lien étroit et direct. Avec quoi? Avec les sources de la religion qui sont le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a choisi pour cela de faire un choix dans une explication, dans un livre de hadith qui réunit 99 hadiths. Ce livre, en vérité, il parle de tous les sujets de la religion. Il a voulu, le Cheikh Sa'di rahimahullah, en 99 hadiths, ramener les hadiths importants et essentiels dans les différents sujets liés à la religion. Que ce soit dans le dogme, dans la pratique, dans le fiqh, dans la purification, dans le comportement, dans le mariage, dans les ventes. Il a ramené un petit peu des hadiths résumés qui peuvent être utiles pour la vie des musulmans. Et quand il a écrit ce livre, il a voulu que ce soit un résumé pour le commun des musulmans et en même temps qui ait un profit même pour les étudiants en sciences et les savants. Et ceci est la voix de ce cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dans la plupart de ses écrits et de ses explications.
on trouve qu'il donne l'essentiel, le résumé de l'explication à prendre. Regardez le tafsir du Coran qu'il a fait. Il a résumé la croyance des salafs et les explications importantes à tirer des versets. Et il y a des spécialistes dans le tafsir qui ont dit « J'ai parcouru tous les tafsirs. Je retrouve le résumé et l'essentiel de tout ce que j'ai parcouru dans le tafsir de l'imam Sirdi, rahimahullah. » Les mots, ils sont choisis pour renformer chacun un sens qu'il a trouvé important à transmettre, qu'il a trouvé dans les différents tafsirs qui sont faits en des volumes et des volumes. Lui, il l'a fait en un volume, ou bien en deux volumes, selon l'édition. Regardez. Pareil, il a pris ce chemin-là dans plusieurs livres, dans son explication de Umdat al-Ahkam, dans son explication de Kitab al-Tawhid, dans son il prend cette manière-là, et il a voulu justement rendre accessible la science, le Coran, les hadiths, les différents sujets de la religion à tout musulman. Et c'est un grand effort. Ne croyez pas que celui qui écrit moins, c'est celui qui a le moins de science. Car écrire peu et choisir ses mots et garder le plus important, c'est plus difficile que écrire des pages sans faire le bon choix. Et c'est dans des résumés concis qui ramènent l'essentiel que tu vois la science de la personne. Car il n'a choisi que l'essentiel. Et il a laissé ce qui n'était pas essentiel. Que ce choix-là, il montre sa science. Le choix de ce qu'il a écrit par rapport à ce qu'il a délaissé, ça montre l'étendue de sa science. Regardez. Donc ce livre, il s'appelle Bahjatu Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyun al-Akhyar. Dans le sens, Allahu A'lam, la félicité des cœurs des bons et la fraîcheur des yeux des meilleurs des croyants. Wa qur rabbi zidni ilma.